Christophe. Christophe, allez, allez, allez! Merci de le saluer à votre manière. Jérémy Bescon, en attendant ensuite ceux qui seront quant à eux. Classement point chaud, messieurs. Classement animateur, Périou, Aurélien Daniel, c'était le cas également de David Chopin qui était pour sa part en quatrième position. Alors que derrière, Ludovic Poilvet, lui aussi victorieux à Saint-Brieuc, c'était en 2003 qui a été à 20 reprises sur le podium au niveau de cette organisation. Dans deux tours, messieurs, nouvelle prime. Dans deux tours, messieurs, Jérémy Bescon et les autres. Dans deux tours, messieurs, nouvelle prime. Ce soit avec Tony Périou qui place un démarrage des plus superbes, à moins que ce soit Kevin Guillon, c'était le cas. Et ici, Benjamin Lhermitte. On avait également Julien Gégou. On va se retrouver avec un deuxième peloton au sein duquel il y avait dans trois tours. Ce sera la nouvelle prime, et pas n'importe laquelle. Ce sera la prime de 50 euros, et ce, en quatre parts avec les 20, les 15, les 10 et les 5 euros. Le passage, une nouvelle fois donc. La prime de 50 euros dans trois tours, messieurs, à partir de l'homme de tête, la nouvelle prime. La prime de 50 euros, et ce, en quatre parts avec pour cela les 20 euros, les 15, les 10, tout comme également les 5 euros, Rioux, Richeux. On était également avec Aurélien Daniel. Le produit travaille depuis déjà de nombreux kilomètres. Merci de l'encourager à votre manière, de par vos applaudissements, alors qu'ensuite il va rester trois autres parts, que ce soit avec les 15, les 10, tout comme également les 5 euros. Messieurs, c'est la prime, les 50 euros, et ce, en quatre parts, 50 euros sur la ligne, 50 euros à faire valoir avec les coureurs d'Inanay, Benjamin Lhermitte, Florian Richeux. Ça revenait très très fort également. On pense notamment aux abords de cette course qui ont toute son importance à ce stade de la compétition, puisque 14 secondes d'avance au profit donc de l'ancien professionnel Jérémy Bescon, derrière également apparemment donc toujours la formation d'Inanès qui assure un travail qui s'avère des plus splendides. Vous pouvez également les encourager. Richeux, il y avait Poilvet, nous sommes également avec Rioux, en tout cas Jérémy Bescon. Regardez ici le rouleur qui est en action depuis déjà de nombreux kilomètres. Il va rester trois autres parts apparemment donc. 20 secondes, dernier écart qui est porté aux 20 secondes. Dernier écart, 20 secondes. Messieurs, c'est la prime. C'est la prime de 50 euros avec la formation d'Inanaise qui va se rappeler à notre bon souvenir. On sera avec Benjamin Lhermitte, c'était le cas également. Je crois savoir, Quentin en Martinique. Il a été le deuxième étape sur les plages vendéennes. Merci pour le salut. Passage à un tour. Tour, ce sera l'arrivée également pour les autres coureurs. Ça craint de toutes parts. On pense notamment aux autres coureurs d'Inanaise. Aurélien, Daniel, on avait également Fabien Schmidt qui était en
réservé au leader de la formation des Côtes d'Armor. Marie Morin, on l'accueille sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Il a bien mérité cette marque de reconnaissance. L'ovation pour Jérémy Bescon, s'il vous plaît. On s'en donne à cœur joie. Merci de l'applaudir encore plus fort, s'il vous plaît. Merci. Alors que derrière, pour les places d'honneur, que ce soit avec Kevin Guillot, ce sera le cas également de Fabien Schmitt. Faites bien attention, ne prenez aucun risque. La chaussée qui est glissante pour la deuxième place. Messieurs, c'est l'arrivée dès à présent sur la ligne. C'est l'arrivée avec un sprint des plus superbes. Fabien Schmitt, Kevin Guillot en première position. Fabien Schmitt, on avait également, je crois savoir, l'un des représentants de la famille. Cette année au ski, donc voilà, faut gérer son effort parce que c'est vrai que c'est assez long et voilà, j'arrive bien à le faire. Donc, voilà. L'an passé, je t'apprends rien, c'est Erwan Corbel qui avait remporté cette épreuve et tu connais la suite, il est devenu champion de Bretagne. Est-ce que ça pourrait être le scénario identique pour toi dans 4 jours? Ouais, j'aimerais bien. Après, on a un très gros collectif, notamment avec Fabien Schmitt qui revient fort aussi. Donc voilà, on essaiera de s'entraider tous les deux et c'est vrai que n'importe qui peut gagner sur un championnat de Bretagne, c'est assez aléatoire des fois, donc voilà, mais le plus important c'est que ce soit un Côte d'Armor qui gagne. Tu as été renseigné tout au long de la soirée des temps intermédiaires ou du moins des positions par rapport au peloton? Oui, il y a beaucoup de spectateurs sur la course, du coup j'avais beaucoup d'écart. J'ai réussi à gérer comme ça un peu. Quand ils revenaient prêts, c'est vrai que j'essayais de remettre un coup de gaz pour leur mettre un coup de moral et ça a marché. Je lisais également les classements au niveau de Direct Vélo. Tu es le troisième français au niveau des amateurs depuis ce début de saison, c'est magnifique. Ouais, c'est vrai, c'est pas un objectif ça en soi, mais c'est vrai que ça reflète un peu mon niveau cette année, donc c'est bien, c'est satisfaisant, mais je vais pas courir après ça non plus. Voilà, on verra, j'espère pouvoir repasser professionnel pour l'année, on verra comment ça se passe. Est-ce que tu as déjà éventuellement des touches avec certains directeurs sportifs ou professionnels? Non, j'ai rien de concret, donc je préfère rien dire pour le moment. Pour l'instant, je me sens bien à Côte d'Armor et je vais essayer de faire le maximum pour continuer à avoir de bons résultats. Merci, et on se donne pourquoi pas rendez-vous sur le podium dimanche à Louvigny. Merci de l'encourager à votre manière. Vos applaudissements pour Jérémy Bescon, s'il vous plaît. Et c'est Marianino, la fille de Sébastien, qui aura tout loisir de lui remettre, voilà qui est fait, de lui remettre à la gerbe. On va entrevoir également, nous sommes avec l'adjoint sport, conseil départemental et vice-président donc. Merci, c'est bel et bien votre formation, puisque vice-président du conseil départemental, remise du trophée, Gérard Pléjean, aux côtés donc de Jérémy Bescon. Vous pouvez une nouvelle fois le saluer de par vos applaudissements, s'il vous plaît. Qui remporte également, c'est pas une surprise, le classement animateur. On va se retrouver avec celui qui a terminé en deuxième position. Il a été champion de France, champion d'Europe et champion du monde. Il a remporté également le Grand Prix de Montpinchon. Kevin Guillot, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, si l'Oudéac avait contribué à aider un tout petit peu le type du Pays Dinan, est-ce que tu aurais pu gagner, selon toi? On ne sait pas. Après, si j'avais roulé avec Dinan, j'aurais pu pas être aussi fait sur la fin. On se serait contré. Avec des si, on le monde, là, c'était... La course s'est passée comme ça, et j'ai pris le risque de ne pas aller avec Dinan, et je suis à deuxième. Oui. Ça a frotté, justement, dans la dernière ligne droite, avant? Oui, ça a frotté un peu, le dernier virage, en plus, avec le sol un peu humide, c'était délicat à aborder. Et j'ai attendu un peu pour faire mon effort, je voulais pas passer le virage en tête, et voilà, quoi, c'était un beau sprint avec Fabien et Axel Fett. Est-ce qu'on pourrait te voir une nouvelle fois sur les avant-postes à l'occasion du championnat de Bretagne? Est-ce que tu veux une nouvelle fois jouer ta carte personnelle? J'attends de voir un peu le circuit, comment ça va être, voir quel coureur pourront tirer à la fin du jeu à l'UDAC sur le championnat. Il y a des beaux équipes en Bretagne avec Soja, avec Côte d'Armor, avec Lumic et Dinancy. Donc le but sera d'amener le maillot, après si c'est moi ou un autre,
Je veux dire, c'est pas le principal, mais... Voilà. On verra sur le terrain. Merci, Jacques Hiro, mon cher Jackie, pour la remise du trophée à celui qui termine en deuxième position. Kevin Guillaume, merci de la saluer à votre manière. Et c'est la fille de Jacques Burlot, Anaïs Burlot, qui va remettre à compter la récompense. Merci. On accueille celui qui termine en troisième position, Fabien Schmitt. Là aussi, des applaudissements pour le troisième de la soirée. Marianne. Dylan Lebranchu, premier de la deuxième catégorie, invité à nous rejoindre. Dylan Lebranchu. Alors, la remise tout d'abord du trophée à celui qui a terminé en troisième position, Fabien Schmitt. Ton sentiment justement de la soirée? Je suis content, c'est un collègue qui gagne, donc c'est top. Bon, il a fait un sacré numéro. Franchement, au début, j'y croyais moyennement, c'était quand même super avant d'arriver. Et puis surtout que Dinan a fait un énorme boulot, franchement, chapeau à eux, parce que bah, ils ont tout donné. Bon, après, ils sont pas récompensés, mais franchement, le collectif était là aujourd'hui. Enfin, je suis content qu'on gagne, quoi. On construit jamais, je dirais, un sprint de la même manière. Là, c'était pour la deuxième place. S'il y a eu un retour, est-ce que tu aurais devancé Kevin, selon toi? Non, par contre, j'aurais joué différemment, c'est sûr. J'aurais essayé d'attaquer avant un virage, parce que bon, j'aime bien quand ça vire et que c'est mouillé, donc j'aurais tenté autre chose. Mais il bat à la pédale, donc j'aurais peut-être fait deux aussi, ou peut-être 3 ou 4. Dans le championnat de Bretagne, est-ce qu'on va inverser les rôles? Est-ce que c'est toi qui vas attaquer sur les premiers kilomètres? On veut tout savoir. Franchement, dans un championnat, il ne faut pas traîner, donc... Je pense qu'il sera à l'avant et puis moi j'essaierai d'être aussi. Merci, très bonne réponse. Merci justement de me saluer à votre manière. Merci, on va inviter Dylan Lebranchu, s'il te plaît, sur le podium d'animation.